centre de coordination des opérations et de transmission. Il est 22h dans ce service stratégique qui coordonne les interventions au niveau des sapeurs-pompiers militaires du district d'Abidjan, logé à l'Indéni à Yamé. L'ambiance est celle des soirées ordinaires. Allô, la pompier, bonjour. Tiens, un appel important. Un cas d'accident de la circulation non loin de l'Institut des aveugles à Yopougon. Nous nous y déportons. Trop tard, pratiquement. Les secours, venus de la caserne de Yopougon camp militaire, emportent l'unique blessé vers le CHU de la commune. Il y a un piéton qui est en train de traverser l'autoroute. Il était sur la bande blanche. Le taxi l'a arrêté. Retour à la base. On n'a pas le temps de souffler. Un cas d'incendie est signalé à Trècheville. Un court-circuit, selon les explications recueillies sur place auprès de l'équipe venue de la zone 4. On nous a appelé pour un court-circuit suivi de feu à Trècheville, dans une clinique. On est venu, il y avait beaucoup de fumée. On a réussi à localiser le feu. On a éteint à l'aide d'un seau d'eau. À l'intérieur, le noir total. Nous sommes éclairés à l'aide de lampes torches et nous avons un aperçu du sinistre qui n'a fait aucune victime, hormis le matériel. Non loin de là, en plein boulevard Giscard d'Estaing, une scène surréaliste. Un homme apparemment ivre tient à peine debout en pleine chaussée. Une équipe de la Croix-Rouge du passage vient à son secours. La Société nationale a décidé que cette fois-ci, on fasse la couverture pour apporter un peu de réconfort à ceux qui vont s'amuser, qui s'oublient très souvent. Le 24 décembre, veille de Noël, une trentaine d'interventions selon le chef de garde du CCOT. Une bonne moyenne, ici, on a connu pire. La journée du 24 est très très calme en tout cas. Pour l'instant, nous avons seulement géré les cas légers. Il n'y a pas eu de cas graves. Ce sont au total 35 interventions qu'auront réussi à gérer le CCOT jusqu'à ce mercredi 25 décembre à 10h.